Salut les écologistes! Vous vous demandez sans doute ce qu'un serpent qui est le plus rapide des États-Unis peut bien faire ici au Japon. Eh bien, en voilà la raison. SAS, japonaise annuelle, à l'œuf préhistorique. Vous savez très bien qu'un serpenteau ferait des kilomètres sur son genou dans le seul but de trouver un œuf. Hop, Vous parlez d'un œuf préhistorique. Au fait, j'ai dû tomber sur un putois de l'époque Cro-Magnon. Et pourtant, Dieu sait si les odeurs sont différentes, hein? Africa! Je crois bien que celui-là, il n'a pas été fondu hier. Merde. Enfin, votre affamé n'a pas de narine. De toute manière, faut qu'on essaye de s'habituer à manger les spécialités du pays. Fondu 1 million d'années avant Bouddha. Bonjour, je parie que vous pensiez pas à moi. Dis donc, gros lézard, t'es sûr que tu t'es pas trompé d'époque? On va le savoir tout de suite. Juste le temps de consulter le manuel. D'après lui, aucun doute, je suis un dragon. Un dragon japonais. Un dragon japonais? Je n'en crois pas qu'un mot. C'est écrit dans le manuel. Tu sais lire? Ah, le manuel dit aussi que je suis un dragon qui crache des flammes. Instruction, allumer la veilleuse et souffler très fort. T'as vu, c'est formidable, non? Maintenant que tu sais qui je suis, j'aimerais savoir qui tu es. Non, ne dis rien, laisse-moi deviner. T'es un lutin bleu. Bleu, ça, y a aucune erreur, ça joue à l'œil nu. Mais pourquoi tu bouges pas, on dirait que t'es gelé? Ah, t'inquiète pas, je vais te geler en moins de deux. On ne s'incendie pas entre membres d'une même famille. Je suis un reptile et tu es un reptile. Redis-moi ça, surprise. Après tout, je suis pas zoologiste. Il y a que ceux qui font bien qui se trompent pas. Si j'aurais su, j'aurais jamais venu passer mes vacances dans ce sacré pays. Et tâche surtout de plus m'insulter. Tu vas pas me laisser, j'ai peur. Écoute une seconde, dans cette société pourrie, c'est chacun pour soi, pas de sentiment. Oh, j'ai peut-être enfin trouvé de quoi me restaurer. T'es fille là-dedans. Tu sais que moi aussi j'ai faim. Va te faire cuire un œuf. Quel caractère. Tiens, v'là un autre garde-manger. On y voit plus bleu là-dedans. Coucou, je suis plein de poussière et je suis allergique à la poussière. C'est pour ma faute. Il se moque de moi. C'est à faute à qui alors? J'étais bleu et maintenant je suis à point. Ah, mais maintenant tu vas m'oublier, hein? C'est une calamité, ce gamin, hein? Mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? Dis, j'ai faim! Non, tiens, voilà, pâté impérial. Alors, c'est bon? Ouais, mais ça tient pas au corps. Bon, attends-moi. Voilà du charbon de boa en photophase. Alors? Ça digère tout de suite. Ça suffit, hein? J'en ai ras les sourcils de jouer les bébés dragons skitteurs. Dans cette société pourrie, faut pas être orphelin. J'en ai marre. Arrête, Piston, tu vas inonder le désert. Tu sais que c'est rare, les dragons, dans notre monde moderne. Je vais te donner un conseil. Monte à Tokyo et essaye d'entrer à la comédie japonaise. Oh, t'as raison, j'adore les feux de la rampe. Je t'enverrai des plages. J'espère. Avec son tempérament, je suis persuadé qu'il va brûler les planches. L'ex-dragon prodise au firmament du box-office. On aura tout vu. Et je suis sûr qu'il n'a pas d'impresario. J'arrive. Mais où vais-je le trouver? Dragon! Je suis sûr qu'il se sent tout perdu dans cette grande ville. Comment allez-vous, mon petit? Je suis ravi de vous revoir. D'où es-tu? Te voilà au sommet. Je suis devenu la plus grosse vedette du Japon. Fantastique! Depuis que j'ai tourné Godzilla dans Godzilla contre Karaté, je suis encore plus célèbre que Bruce Lee. Vous arrivez juste à temps pour assister au tournage d'une scène énorme. Je vais détruire Tokyo et provoquer chez les habitants une panique effroyable. C'est très drôle. Pendant que j'y pense,
Tu as réussi à te guérir de ton allergie? Oh, vous auriez dû éviter de me reparler de ça. Oh, c'était sûr qu'il ferait un malheur. C'est étonnant. La vie est quand même bizarre. Un jour, on n'a rien du tout, et le lendemain, le monde nous appartient. Voilà, c'est ça le faux business.